Salut les amis et bonne année 2024. Tous mes vœux de santé, de prospérité et de réussite dans toutes vos entreprises. Alors, je fais cette vidéo pour vous offrir tout mon héritage en infographie. Je vous offre gratuitement tous mes travaux que j'ai réalisés en infographie tout au long de ces années. Et par la suite, je vous montre comment vous pouvez faire pour pouvoir utiliser cela pour la production de vos contenus, de vos affiches publicitaires, mais aussi comment capitaliser cela sur les réseaux sociaux. Alors, dans un instant, je vous présente de façon détaillée de quoi il s'agit. De prime abord, je vous présente tous les outils que je compte mettre à votre disposition dans une clé USB afin que vous puissiez travailler avec aisément. Ok, vous allez tout d'abord maîtriser le logiciel qui est intégré au système d'exploitation Windows 10 et qui s'intitule Paint 3D. Je vous ai mis dans la clé USB toutes les vidéos pour pouvoir appréhender ce logiciel facilement. Vous allez apprendre ici à effectuer des montages de base et d'animer ces montages, puisque ici il y a des outils d'animation et vous allez apprendre à détourer les objets avec Paint 3D. C'est vraiment facile de le faire avec ce petit logiciel qui n'est pas très lourd comme les logiciels comme Photoshop. Ensuite, vous allez apprendre via les vidéos que je vais vous offrir à être capable de modifier une PSD existante, puisque je vais vous offrir tous les PSD inimaginables que vous allez utiliser dans le cadre de vos projets. Votre travail, c'est d'apprendre à utiliser les outils de Photoshop pour être capable de modifier simplement une PSD. Donc ça, c'est l'objectif. Vous devez aussi apprendre à détourer avec Photoshop pour détourer des images qui seront un peu difficiles de le faire avec Paint 3D. Ensuite, Illustrator ne va pas être d'une très grande utilité. Il arrivera parfois que vous auriez besoin de créer certains petits objets graphiques pour pouvoir insérer dans vos présentations ou bien dans vos documents Photoshop. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà apprêté tout un ensemble de vecteurs que vous allez utiliser simplement dans vos montages Photoshop. Alors, allons-y, je vous présente ce que je vous offre pour que vous puissiez déjà commencer votre business en infographie sans avoir besoin d'effectuer une longue formation. Alors, donc, je suis sur mon disque dur. Je vais vous offrir ce dossier qui s'intitule Formation ou bien Infographie 2022. C'est en 2022 que j'ai commencé à confectionner ce dossier, à arranger et à classifier. Donc ce dossier pèse environ 56,7 gigas. Oui, ça donne 56,7 gigas. Donc, je ne peux pas vous présenter cela dans l'entièreté, mais vous allez voir. Il y a les cartes d'anniversaire, cartes de deuil, cartes de mariage. Il y a beaucoup de maquettes déjà réalisées. Tout ce que vous auriez à faire, c'est regarder le modèle qui vous intéresse, ouvrir et modifier et le tout est fait. La conception, vous n'auriez pas besoin à concevoir, par exemple, un CV pour un client. Vous allez simplement voir directement les CV, les différents modèles de CV que vous offre ma bibliothèque. Modifier, voilà les maquettes PSD offrir avec Photoshop et modifier et enregistrer. Bon, je prends un peu le cas des flyers. Regardez comment les flyers, j'ai organisé les choses. Le nom du flyer est exactement égal au nom du fichier PSD. Donc, si j'ouvre par exemple ce flyer, vous allez voir exactement si ce flyer correspond exactement à ce que vous avez envie de monter, ou bien que si vous voulez réutiliser ce flyer pour
ou le design de base vous plaît déjà, vous voulez juste réutiliser la façon de concevoir pour pouvoir mettre vos informations particulières, vous ouvrez la PSD et vous modifiez. Donc vous voyez, il y a un ensemble, c'est tous les travaux de toute ma vie, de toute la vie de mon grand frère, de mon petit frère. Nous avons tous été des infographes. Et voilà, je mets ça à votre disposition pour que vous puissiez rapidement vous lancer dans le monde des créations multimédia. Ok, donc voilà un peu, je vous ai présenté. Il y a les logos, il y a les mock-ups. Les mock-ups, regardez, quand vous avez fini d'effectuer un flyer, vous devez peut-être sortir son mock-up comme ça pour les publications ou bien les présentations sur Facebook, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de mock-ups qui ont été réalisés. Vous allez simplement essayer de réutiliser les mock-ups puisqu'il y a les PSD de chacune. Il y a les polices, il y a les formations les plus essentielles à savoir pour maîtriser Photoshop. Donc vous allez par exemple utiliser Balo. Donc vous allez utiliser Balo pour Photoshop et Balo pour Illustrator. Lui, il résume parfaitement tout ce qu'il y a à savoir sur Photoshop et il vous montre comment retoucher une PSD. Donc vous avez quelques jours ou bien quelques heures de Photoshop et vous êtes bon, rien que pour être capable d'abord dans un premier temps de retoucher les PSD, et ensuite la maîtrise viendra au fur et à mesure. C'est la méthode que j'ai employée pour rapidement maîtriser Photoshop. Donc il y a Photoshop ici pour, et il y a aussi le PSC. Ça, ce sont les vidéos les plus essentielles qui existent. Donc, je préfère que vous commencez par visionner ces vidéos et vous appliquer. Et au terme de ces vidéos, je pense que vous avez tout compris sur Photoshop. Ça ne va pas vous prendre plus d'une journée pour déjà être sûr que vous pouvez ouvrir votre boutique en infographie. Donc, je vous présente par la suite maintenant comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir obtenir de l'argent capitalisé avec tout ce que vous avez déjà à votre disposition ici, à vous vendre déjà sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp Business. Donc, tout de suite, nous arrivons sur WhatsApp Business. Rendu sur mon téléphone, je vais ouvrir le logiciel intitulé WhatsApp Business. Donc, voici le logiciel. Il y a WhatsApp et il y a WhatsApp Business qui est B. Alors, je lance ce logiciel. À l'accueil, nous avons exactement tout ce que nous avons sur WhatsApp, les discussions, les attus, les appels. Et ici, le plus à gauche possible, nous avons ce bouton qui est pour pouvoir créer des publicités. En réalité, ce bouton sert à créer votre profil de façon initiale pour votre publicité. Donc, c'est votre boutique. Ma boutique actuellement est ouverte 24/24. Et voilà la page d'accueil que les utilisateurs vont voir quand ils vont ouvrir ma boutique. Et voilà les différents catalogues, c'est-à-dire les différents éléments ou bien les différentes publicités de mon catalogue que j'ai créé. Ou encore, on peut dire que ce sont des produits. Comme vous voyez, c'est écrit là. Ce sont des produits. Et ces produits seront vendu sur Facebook et sur Instagram. Donc, vous devez avoir une page Facebook directement. Quand vous avez WhatsApp Business, ça crée automatiquement votre page Facebook qui est liée à ça, et que les publications ici, là, lorsque vous allez booster, ça va être aussi diffusé sur Facebook et sur Instagram. Donc, voilà ma boutique. Premièrement, je ressors. Je viens maintenant sur catalogue. C'est ici là que je crée les produits que je veux vendre. Donc voilà les produits que je vends. Vous allez vous rendre compte que tous les produits que j'ai ici, c'est exactement les affiches que vous avez vues dans mon dossier infographie là. Je vends beaucoup de choses. Je vends les logos et les mock-ups, les flyers publicitaires. Vous allez voir tous ces flyers ici, c'est les flyers qui étaient là-bas. Donc vous pouvez déjà commencer à vendre cela. Les clients vont voir exactement les flyers que vous faites comme ceci et ils vont pouvoir vous contacter pour le flyer. Vous mettez le prix exactement du flyer et la vidéo YouTube qui explique exactement comment est-ce que vous faites pour réaliser vos flyers. Donc pour que ça puisse être plus crédible, vous voyez, je peux booster directement pour que ça puisse rechercher d'éventuels clients, ou bien je peux partager le lien. Je partage le lien sur mes
sur mon statut, sur mes pages Facebook, sur le dashboard de Facebook, etc. Donc du coup, c'est comme ça qu'on fait pour se vendre. Donc si vous voulez vous vendre à un grand nombre de personnes, vous allez booster vos publications en payant une maudite somme de quelques euros. Donc voilà exactement les différents services que j'offre. Comme vous voyez, c'est organisé dans ma machine. Vous pouvez aussi me calquer, me tricher en fait. Accéder à ma page, voir les différentes affiches ou bien les différents produits que j'offre et vous essayez aussi de prendre ce que j'ai déjà monté là, vous mettez sur les vôtres pour commencer à vendre. Donc voilà un peu comment cela se passe. On crée des collections. Je peux créer une collection pour dire par exemple formation, infographie, réseau, c'est-à-dire que ça dépend de ce que je vends. Et maintenant, dans ces collections-là, j'ajoute les articles. Quand j'ajoute l'article, j'ajoute les images que je vais utiliser pour présenter mon produit, le nom du produit, la description, etc. Si je veux plus, je mets. Si je veux mettre un lien YouTube qui va montrer de façon détaillée comment le produit fonctionne, je le fais. Donc, voilà un peu comment je fais pour créer des produits et les vendre via WhatsApp Business. Donc du coup, c'était ce que j'avais à vous présenter pour vous permettre de vous lancer très rapidement sans avoir besoin de payer une formation tellement longue et aussi de bénéficier tout de mes travaux de longue haleine. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.